Est-ce que tu aimes? Oui, c'est parfait, merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et je veux que tu saches que tout ira bien. Au bon moment. D'accord. It must be love. The feeling is something special. It cannot be anything but love. The feeling that I'm feeling, it must be love. No, it is not infatuation. Hey, I'm in love. Ooh, I'm in love. Why do I feel tongue-tied around you? The sound of your voice melts my heart like a candle. See what you done to me. Oh baby, you broke all my defenses. Never knew I could love somebody like loving you. Like I'm losing all of my senses. You drive me crazy. The thing that I'm feeling, it must be love. The feeling is something special. It cannot be anything but love. Medication, if we say love, cause I know they feel myself. And I need an explanation why I only feel this way when I'm around you. I cannot love another person like this, no way. This is a once in a lifetime love. I'm in love. It's got to be that feeling they call love. So in love. It's got to be that feeling they call love. I'm in love. It's got to be that feeling they call love. I've been a malaria. No, I'm in love. So sweaty. Why am I weak in the knee? Now I'm walking funny. Every time I'm close to you, baby, I lose my cool. Oh yeah, when you smile in my direction, my heartbeat does like 192 beats. The thing that I'm feeling, it must be love. The feeling is something special. It cannot be anything but love. It must be love. No, it is not infatuation. Hey, I'm in love. Ooh, I'm in love. Why do I feel tongue-tied around you? The sound of your voice. Bébé. My heart like a candle. See what you... Bébé. Oh, bébé, tu pars déjà? Mm-hmm. Je commence à être en retard. Attends-moi. Fais un peu vite, oh. D'accord. Mais voici. Merci. Est-ce que tu comptes toujours aller à la maison de Sam aujourd'hui? À propos, je crois que j'irai voir Abigail. Oh, Abigail. Bien, ça fait un mois que je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas venue chez la maison. Elle va bien. Elle tient le coup. Ah, les choses du mariage. Bien sûr. Je pars avec la tasse. Je la mets dans la voiture. Désolée. Laisse-moi t'aider, je bébé. Je commence à être en retard. I never felt this kind of love before. Yeah, yeah. I don't go like they all. Girl, I'm trying to reach your soul before I take the dress off.
Je commence à changer de vêtements à cause de toi. Parce que je t'ai épousé. Tu as commencé à me nourrir. Avant, j'étais très sexy et très mince. Très mince. C'est ta faute. Du fait que tu t'es décidé que je ne dois pas travailler. Du fait que tu t'es dit que les femmes ne doivent pas travailler et rester à la maison s'occuper de leur famille. Donc, régale-toi, monsieur. En passant, je voulais discuter d'un truc avec toi. D'accord, je t'écoute. Alors, maman va venir ici. Oh. C'est seulement pour quelques jours. Tu sais que je n'ai absolument aucun problème avec le fait que ta mère vienne passer quelques jours ici. Je sais. Mais tu ne peux pas agir comme si tu ne connais pas la raison de sa venue. Mais il faut te détendre, d'accord? C'est seulement pour quelques jours. Elle ne restera pas ici très longtemps. C'est arrivé, n'est-ce pas? Non, c'est... La chose auquel tu m'avais promis que tu me protégerais est arrivée, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Rien ne va arriver. Je te promets. D'accord? Bébé, s'il te plaît. Tu connais ta mère? Ouais. Ne faisons pas un problème, d'accord? Alors, c'est moi qui en fais un problème? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça sera très difficile pour toi de choisir quand ta mère sera d'un côté et moi de l'autre. Il n'y a rien de tel. C'est ma mère. Et d'ailleurs, tu sais qu'elle te considère comme sa propre fille. C'est plus le cas. Là, c'était avant quand elle pensait que je pouvais lui donner des petits-enfants. Crois-moi. Tout ira bien, d'accord? Je serai... Bah. J'arrive. Maman, bienvenue. Broumé! Broumé! Oh, désolé, maman, il est toujours au travail. Il avait dit qu'il ne va pas rentrer tôt aujourd'hui. C'est ça. Veux-tu prendre ton téléphone? Désolée, maman. Je vous demande pardon. C'est tout ce qu'elle sait faire, s'asseoir et regarder la télé. Paresseuse. Oh. Désolée. Est-ce que je t'ai demandé de l'eau? Réponds-moi, est-ce que je t'ai demandé de l'eau? D'ailleurs, as-tu lavé tes mains? As-tu désinfecté tes mains? Oh, je comprends, tu veux me tuer, c'est ça? Écoute, je sais que tu ne m'aimes pas et je ne t'aime pas aussi. Point final, ne reste pas devant moi quand je parle, passe derrière! Désolée, maman. Est-ce que tu as au moins à manger? Je sais que tu es paresseuse. Très, très paresseuse. Je sais que tu ne cuisines pas. Tout ce que tu fais, c'est commander au restaurant et mettre sur la table. Pour ton information, je ne mange pas ces genres de repas.
Je vais dire la nourriture. Fais maison. Qu'on cuisine à la maison. Je sais que tu ne sauras le faire. Comment peux-tu le faire pendant que tu n'as même pas un enfant? Alors comment sauras-tu faire de la nourriture tous les jours dans la cuisine? Tu sais quoi? Je ne mangerai pas tes nourritures que tu commandes au restaurant. Parce que j'ai besoin de vivre longtemps et voir mes petits-enfants. Dégage! Pourquoi tu traînes? Je dis, apporte-moi à manger. Fais rapidement manger. Ah. Salut chérie. Allô? Que se passe-t-il? Ta mère est ici. Oh mon Dieu. Je n'ai même pas poussé l'appel parce que je suis dans une réunion là. Comment ça se passe là-bas? À ton avis, comment ça se passerait? Ouais, j'imagine. Tu sais quoi? Je serai bientôt là, d'accord? Je m'occupe de tout ce qui arrivera. D'accord? Bébé? D'accord. Très bien. À très bientôt. Bye. Oh mon Dieu. Maman, la nourriture? Oui. Elle l'a faite. Je le sais. Ça allait être encore mieux s'il y avait des enfants qui mangeaient avec nous. Cette maison ne vous semble pas vide? Maman. Je veux dire, vous ne pensez pas que cette maison a besoin d'autres personnes? Je veux dire, qu'est-ce qui peut faire en sorte que la maison d'un jeune couple soit vide? Mais dis-moi comment, cette maison est vide, maman? Quand va-t-elle te donner des enfants, dis-moi? Je veux dire, regarde-la. Regarde-la. Tu sais quoi? Nous sommes trois enfants à présent. Trois enfants. Et pourtant, il est moins âgé que toi. Mais regarde-toi. En train de manger et t'amuser avec une personne qui ne te donnera jamais d'enfant. Ça suffit, maman. Ça suffit. Blumé, c'est à moi que tu t'adresses? C'est depuis quand que tu commences à me répondre quand je parle, juste à cause de cette vie? Très bien. Tu sais que mon fils n'a jamais fait ça, jusqu'à ce qu'il te croise. Tu sais quoi? Je vis ton vrai visage. Je sais quoi faire de toi, mais laisse-moi te dire une chose. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je l'obtiendrai auprès d'une autre personne. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Écoute, si tu n'as pas les couilles pour faire ton travail, je le ferai à ta place. Nessa. Es-tu heureuse maintenant, maman? Heureuse? Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, tu ne vois donc pas? Oh! Tu veux que je meure avant de voir mes petits-enfants? Moi, je vois que tu fais désespérément voir des petits-enfants. Mais tu ne peux pas venir ici et insulter ma femme devant moi. C'est comme ma femme, maman. C'est ma femme. C'est ma femme. Ma femme, maman. Et nous allons avoir une famille ensemble. Elle serait une femme complète si seulement elle me donne des petits-enfants. Maman, tu es vraiment désespérée pour avoir des petits-enfants. Si tu es autant désespérée, va te chercher un petit-enfant. Va le chercher, va acheter. Ou tu peux t'en acheter ou même en louer un. Mais nom du Seigneur Jésus-Christ, je te supplie de laisser ma femme tranquille. Mais je te promets une chose, maman. Cette femme ne quittera cette maison pour rien au monde. Tu sais quoi? Je te connais bien, Brumé. Cette fille t'a envoûtée. Elle t'a ensorcelée. Voilà pourquoi tu fais tout ce qu'elle te demande. Écoute-moi très bien. Cela se passera sur mon cadavre. Aussi longtemps que je n'obtiendrai pas ce que je veux, elle ne connaîtra pas la paix dans cette maison. Maman, ça se voit que tu es vraiment fatiguée. Tu devrais peut-être aller te reposer. Garde ta nourriture, n'importe quoi. Oh.
Désolé, chérie. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à la table. Pour ce qu'elle a dit. C'est bon. Je vais bien. Désolé, chérie. Oh. C'est vrai ça. Elle est allée prendre une autre fille pour qu'elle vienne s'installer dans cette maison. Mais bébé, tu arrêtes s'il te plaît. Arrêtez quoi? Tu sais bien que c'est ce qu'elle fera prochainement. Bébé, je comprends comment tu te sens. Mais je ne veux pas te voir t'inquiéter comme ça. Tout ira bien chérie, d'accord? Ok, c'est bon. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ah, bébé, peux-tu oublier ça s'il te plaît? Au courant de ces mois, nous avons fait 3 fois cet examen. Je le sais, docteur. Je cherche juste à me rassurer si ça va marcher. Nous avions déjà eu cette conversation. Et je vous avais dit qu'il n'y a rien de mal chez vous et votre mari. Et la FIV alors? Nous l'avons déjà fait, madame. Et c'est déconseillé de le faire 2 fois le mois. Docteur, j'ai besoin de le faire, peu importe la somme que ça va coûter. Ça doit être fait peut-être à un intervalle de 4 semaines, mais pas de cette façon. C'est ça le protocole. Ça n'a rien à voir avec ce que ça va coûter financièrement. Oh, Seigneur. Vous ne comprenez pas. Bébé, peux-tu m'aider à ouvrir la porte, s'il te plaît? Oh. Un instant. Patientez, j'arrive. Je suis là, c'est bon. Oh, maman. Broomé! Broomé! Maman? Oh, maman, bienvenue. Oh, maman.
Je t'ai ramené une femme complète. Maman, quoi? Mais c'est quoi ce moment? Bien. Tu as des options. Tu prends cette femme ou je ne serai plus ta mère. Maman, avec tout le respect, ramène cette chose d'où tu l'as prise. S'il te plaît, maman. Ici, c'est ma maison et je ne veux pas accepter que tu viennes faire ça ici. S'il te plaît, respecte ça. Brumé, je t'ai donné la vie. Et tu dois à tout prix avoir des enfants. J'ai besoin de petits-enfants. Et réfléchis en paix. Tu m'avais donné une option. Que si j'ai besoin de petits-enfants, que j'aille n'importe où pour en trouver. Et c'est ça ma réponse. Maman, je t'ai dit... Je me fiche de ce que tu m'avais dit. Ça m'est complètement égal. Elle reste point barre. C'est ma décision finale. Ma belle, on y va. Fais-moi passer. Bébé, non, je... Non, ça va. Ne dis rien. C'est bon. Désolée, chérie, désolée. Je ne savais pas tout ça. Je dis que ça va, ok? Je ne vais pas être la raison pour laquelle je te dispute avec ta mère. Si le fait que cette fille reste ici va ramener la paix dans cette famille, alors qu'il soit ainsi, elle peut rester. N'est-ce pas risqué, chérie? Pour qui? Je te fais confiance, bébé. Ça va aller. Oh. Madame la stérile, viens nettoyer cette chambre. Monica, oui maman, fais tout ce que tu peux pour qu'il puisse coucher avec toi. Rassure-toi de toujours prendre les tisanes que je t'avais données. Je t'ai ramené dans cette maison pour que tu me donnes des petits enfants. Au moment où tu vas accoucher, cette chose n'aura plus d'autre choix que celui de quitter la maison. Tu me comprends? D'accord maman, je ferai tout ce que tu me demandes. Je sais quoi faire. Je t'ai fait confiance, ma belle. Oui. Salut, bébé. Bonjour, mon fils. Maman, dis à cette chose de quitter ma maison et qu'elle quitte le plus vite possible. Elle ne bougera pas. Si elle part d'ici, alors j'arrête d'être ta mère. C'est vraiment du n'importe quoi, ça. En train de suivre mon match. Ça va? Ça va. Déjà prêt à sortir? Angela m'attend déjà au restaurant. Mais quand tu vas sortir et que tu vas passer du temps avec tes amis, n'oublie pas que ton mari t'a conduit à la maison. D'accord? J'espère que je ne vais pas beaucoup te manquer. Bien sûr. Je vais essayer. Salut. Ok. La nourriture est dans les micro-ondes et le jus dans les frigos. D'accord. Merci. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps là-bas. Mais je ne te promets rien. Très bien. Amuse-toi bien. Bye. Ne t'enivre pas. Ah, tu sais que je ne prends pas de l'alcool. Ne permets pas n'importe qui de danser avec toi. N'ose même pas. Très bien.
Salut. Salut. Ces joueurs, moi, je comprends pas. Regarde. Bébé. Mais c'est qui là? Hey. Est-ce que tout va bien? Oui. Oh, je t'attendais. Le repas est déjà servi. Ok. J'arrive. Es-tu sûr que tout va bien?
Ouais, je vais bien. Peut-être que c'est du stress. Fais vite, je t'attends. Ouais, okay? J'arrive. Allô? Oh, c'était toi? Non, non, non. C'est plutôt toi. Tu as fait l'amour avec moi et tu l'as adoré. Quoi? Imagine un peu ce que ça fera à ta femme si jamais elle apprenait. N'essaie surtout pas de me provoquer, sinon je lui enverrai les images. Je serai dans ma chambre, au cas où tu en voudrais plus. Bébé, hein? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien. C'était ta mère, n'est-ce pas? Non. Non, 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 ce n'était pas ma maman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu agis bizarrement depuis que tu es revenu du travail. Oui, je suis un peu stressé parce que je viens du travail. Tu n'as rien dit à propos de la nourriture. C'est parfait. Ok. Attends, tu dis que tu n'as aucune idée de comment tout ça est arrivé, c'est ça? C'est comme je t'ai dit. Attends, attends. Je ne vois pas comment c'est possible que tu ne saches pas que tu as fait l'amour avec une femme. Tu penses? Mon cher, n'étais-tu pas drogué? Oh mon Dieu. Nessa ne doit pas savoir ça. Elle ne doit rien savoir sur ça. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi un peu voir les messages. Attends, elle vient encore d'écrire. Qu'est-ce qu'elle dit? Je peux voir ça. Elle vous a fumé tous les deux. Ah, mais pourquoi? Mais comment tu peux dire pourquoi? Oh, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut s'emparer de ma maison. Je promets à Nessa que ceci n'allait jamais arriver. Je promets à Nessa que ça n'allait jamais arriver, mon cher. Je sais. Il faut juste la laisser comme ça. Tu penses que ça sera bon pour moi? Mec, calme-toi. Bien, admettons que rien de tout ça était un piège. Et tu la laisses prendre la maison et finalement, elle continue toujours de faire ce qu'elle est en train de faire là. Non, ça je ne peux jamais faire, jamais. En aucun moyen je peux la laisser détruire mon mariage. Elle n'a aucune chance. Oh. Il te verra. Allez, cache-toi. Baisse la tête. Bébé, as-tu vu ça?
Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Il n'y a rien, je suis le film. Tu n'as rien dit depuis qu'on regarde le film. Parce que nous sommes supposés suivre le film et non parler. Vraiment? Donne-moi ton téléphone. Pourquoi? Donne-moi juste ton téléphone. Mais bébé. Allez, mets ton empreinte. C'est pas drôle. C'est pas du tout drôle. Voilà, il n'y a rien du tout, comme tu peux voir. Mais c'est parce que tu ne me dis rien. Chérie. Hey. Tu ne m'avais pas dit qu'on allait regarder un film ce soir. Je suis désolé. Tu peux te joindre à nous, je veux dire. Hey. Pousse-toi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Dégage de là. Es-tu malade? C'est quoi ça? C'est vrai ça? Bon, débarras. Reste avec moi, bébé. C'est très intéressant, ces films. Salut. Tu ne dors pas? Oui. Je vais bien. Ok. Viens, on y va au lit. Quoi? Non, mais... Ma femme est à l'étage, là-bas. Tu crois que c'est une démonte? Mais non. Quoi? Je vois. Je t'avais averti. Je t'avais bien dit pour cette fille. Je t'avais dit qu'elle continuerait à demander encore plus. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Que veux-tu que je fasse? Mon ami, tu sais que tu brises ta femme en faisant ceci. Alors qu'est-ce que je fais? Oh mais tu es un homme de Lagos, mais comment tu agis comme ça? Mon ami, c'est de mon mariage que nous parlons ici. Qu'est-ce qui va arriver si elle décide de tout balancer à Nessa? Mais dans ce cas, laisse-la faire ça! Es-tu fou quoi? Mon ami, au moins là, tu vas savoir qu'elle en a. Tu veux que je la laisse tout balancer à ma femme pendant que je sais qu'elle a cette vidéo? Non mon cher. Est-ce que tu penses que je sais pourquoi? Tu m'as dit autrefois que tu n'as aucune idée de comment tout ça est arrivé. Alors, écoute, ma femme passe déjà par beaucoup de choses. D'accord. Maintenant, je ne peux pas. Et c'est encore toi qui fais plus de problèmes à ta propre femme. Mais c'est juste comme si tu étais amoureux de l'autre fille. Que dois-je faire alors? Tu veux que j'aille vers ma femme? Hé, tu sais, Monica et moi avons fait l'amour
En plus, elle a la vidéo de tout ce qu'on a fait. Mais je n'ai aucune idée de comment tout ça est arrivé. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu es un peu sérieux toi-même là? Je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas faire ça, Nessa. Ah bon, d'accord, c'est bon. J'ai un rendez-vous avec Souza. Je crois que... Prends courage, mon cher. Oh. Serveur. Serveur. J'en veux plus. Monsieur, voulez-vous que j'ajoute encore? Apporte-moi notre coup. Tu veux que j'aille le faire moi-même, c'est ça? Allô, bonsoir. Allô, allô? As-tu des nouvelles de mon mari? Oui, ton mari et moi étions dans un bar ce soir. Ok, je l'appelle depuis, mais il ne répond pas. Oh, n'importe qui d'autre pays est resté et même passé la nuit. Mais pas ton mari. Je ne sais quoi faire et je ne sais pas où commencer. J'ai trop peur. Attends, je vais essayer de... Ok, s'il te plaît. Oh, il est là, il est arrivé. Merci beaucoup. Très bien, pas de problème. Où étais-tu passé? Je t'appelais depuis. Je vais bien. Es-tu ivre? Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis quelque chose. Quelque chose? Tu étais dehors toute la soirée et c'est tout ce que tu trouves à me dire? Je veux juste aller dormir. D'accord?
Tu es réveillé? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller. Je ne... Juste, va dans la douche et nous allons discuter une fois que tu auras fini. Oh mon Dieu. Ah, j'ai vraiment très faim là. Apporte-moi mon geste. D'accord. Oh mon Dieu. Je me sens encore ivre. Désolé pour ce qui s'est passé la nuit dernière. Donc tu t'en rappelles? Es-tu prêt à tout me dire maintenant? De dire encore quoi, chérie? S'il te plaît, arrête. Arrête ça, je ne suis pas stupide. Donc c'était ça ton plan? Tu avais planifié pour qu'elle vienne s'installer ici, c'est ça? Quel plan? Tu sais que sa présence ici, c'est contre ma volonté. Qu'est-ce que j'en sais? Sommes-nous vraiment sûrs? Parce que, à en juger la manière dont tu te comportes avec cette fille, ça se voit que tu avais planifié cela depuis très longtemps. Non, ce n'est pas ça. N'est ça. Tu me prends pour une folle? Je te pose la question, tu me balances des salades. Oui, mon cher. Mec, c'est comment chez toi? Elle en a. Quoi? De quoi parles-tu comme ça? Elle a cette putain de vidéo, mon cher. Comment sais-tu? Comment le sais-tu? Elle me l'a montré. Ma femme ne doit pas voir ça. Si c'est ma femme voit ça, ça sera la fin, mon cher. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Mon cher, je ne sais pas. Écoute, je ne peux pas perdre ma femme à cause de cette bâtarde. Depuis le début, je lui ai encore rien dit. Si je n'en parle maintenant, Nice va partir. Non, je ne peux pas. Oh merde. Je pense savoir ce que je vais faire. Qu'est-ce que c'est? Mec, tu es là? Remain. Thank you.
want you to know that I love you so. I just wanna make this love worthy. I just want to know if you are worthy. I gave you all my soul. If you give me your word. Docteur, qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Allons parler dans mon bureau. Quelques articulations de son corps ont été affectées par l'accident qu'il a connu. Est-ce qu'il a déjà visité Paris quelques jours dans sa vie déjà? Oui, docteur. Mais il y a de cela 10 ans. Il devait partir pour le travail. Qu'est-ce qui s'est passé, docteur? Parlez-le, docteur. Je vois. Là, c'était le dernier mot qu'il n'a pas arrêté de prononcer avant que je le mette finalement en état de sommeil. Je ne comprends rien. J'ai très peur qu'il souffre de l'amnésie. Il a perdu quelques parties de sa vie. Ça va être très difficile pour lui de pouvoir se rappeler de tout. Eh? Alors, qu'allons-nous faire maintenant? J'espère qu'il ne va pas mourir. Non. Écoute, quand il se réveille, nous allons encore le faire passer quelques examens afin que nous soyons capables de déterminer l'ampleur du problème. Docteur, j'espère que ce n'est pas si grave. Pour l'instant, ce que je vous conseillerais, c'est que ne le forcez pas à se rappeler de quoi que ce soit. Parce que là, ça va être vraiment très dangereux. Ne faites pas ça. Docteur, alors qu'allons-nous faire? Si vous l'aimez, je veux dire, vous toutes, vous voulez qu'il soit bien. S'il vous plaît, permettez-lui de se rétablir de lui-même. Ok. Comme je viens de dire, ne le forcez pas à se rappeler de quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous déranger. Le forcer à se rappeler de quoi que ce soit va être très dangereux, comme je viens de dire. Je veux dire, ça peut même faire qu'il perde même tout ce qui lui reste. Non. Si ça arrive comme ça, ça peut l'amener jusqu'en coma. Jamais de la vie. Ou même un état très critique. S'il vous plaît, docteur, est-ce que je peux le voir? Bien sûr, allez-y. Allons-y. Oui. C'est bon, nous ferons ce qu'a demandé les docteurs. Il s'est réveillé finalement. Bromé. Bromé. Maman. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Tu es seul, oui. Tu t'es finalement réveillé, bébé. Oh, Seigneur. C'est qui ça? Elle ne personne, mon fils. On y va. Maman. Bromé. Docteur. 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 Docteur, mon mari n'arrive pas à se rappeler de moi. Que dois-je faire? Laisse-moi te conseiller. Si tu l'aimes, ne le force pas.
Permets-lui de se rétablir et reconnaître chaque chose de lui-même. Je sais, les choses peuvent nous échapper très rapidement et nous serons plus en mesure de les contrôler. S'il te plaît. Je sais que c'est une étape très difficile que tu vas devoir traverser. Mais s'il te plaît, il faut les laisser comme ça. Je sais que c'est très difficile pour toi. Mais si vraiment tu l'aimes, donne-lui du temps. Ne le force pas. Hein? Maman, je sais que tu ne veux pas de moi ici. Que je dois partir. Mais rappelle-toi de ce qu'a dit le docteur. Mon mari a vraiment besoin de moi et rester ici peut l'aider à retrouver la mémoire. Même si tu ne veux plus que je puisse être sa femme, je peux juste rester là pour l'aider à se rétablir. Pitié. L'aider? L'aider? Toi, méchante, sorcière, depuis que tu es arrivée ici, il n'y a que des problèmes. Écoute, même la chaise joue un très grand rôle, plus que toi. J'ai essayé de t'aider à partir d'ici depuis, mais ça ne marchait pas. Mes médecins, Dieu m'a répondu. Prends tes affaires et pars d'ici. Prends tes affaires et quitte cette maison. Je ne veux plus jamais te voir tout près de mon fils. Quoi? Monica, ramène tes affaires. Tu crois que tu pourras rester là? Prends tes affaires et va-t'en d'ici. Attends, tu croyais que attends. Tu auras mon mari? Ne pars pas. Stérile. Voleuse des maris. Allez, prends. Prends toutes tes affaires. C'est bien fait. Dégage d'ici. Va-t'en d'ici. Disparais. Sorcière, je te connais. Quelle guérisse. Quelle guérison. Va-t'en d'ici. Tu ne peux pas rester ici. Non. Stérile. Depuis combien de temps? Tu allais oublier. Prends. Tout ce que tu sais, c'est bouffer l'argent de mon fils. Attends. Allez, fais vite. Disparais, sors d'ici. Monica, apporte les balais. Viens balayer les mauvais esprits. Fais vite. Regarde, il y a encore quelques déchets. Balaye tout. Monica, apporte les balais, vite. Dégage ici. Va-t'en, mauvais esprit. Esprit démoniaque, va-t'en. Pars. Salut bébé. Comment tu vas? Comment tu te sens? Tu as mal à la tête? Tu vas bien? As-tu besoin de quelque chose? Attends que je t'apporte quelque chose. As-tu déjà pris tes médicaments? Ça va aller. Ok, je reviens. Laisse-moi t'apporter rapidement un truc. Allez, ça y est. Tu as besoin de ça. Ça va comme ça. Ok. Ça, c'est mon bébé. Vas-y. Ok, chérie, je t'ai apporté aussi quelques fruits. Non, ça va. Tu en as besoin. Allez. Gentil garçon. T'inquiète pas, ça va aller.
Mon frère, est-ce que tu connais très bien cette route ici? Non. Et tu n'arrives même pas à te rappeler de cette avenue ici? Honnêtement parlant, je ne peux pas. Apparemment, nous avons vraiment faim. Est-ce que tu sais où nous pouvons aller manger? Oui, je connais un endroit quelque part ici. Un ami m'a amené une fois là-bas. Ils ont une très belle nourriture. Ok. Tu vas aller, mais je sais que tu aimes beaucoup les sports. Vraiment. Un bon sport et de la nourriture pour les sports. Et la plage. Un autre sport que tu aimes beaucoup. Tu vois, tu m'as parlé de combien l'environnement est très calme pour toi. Alors j'espère que tu vas vraiment aimer ça. Je pense qu'il y a un endroit que tu devras aller voir. Qu'en penses-tu? Oui. On peut l'essayer. Une fois. Ça, c'est mon gars. Alors, mettons-nous en route. Lauren? Ouais. C'est vraiment un très bon endroit. Ouais, je savais que tu l'aimerais. Merci. Pas de quoi. C'est l'un des meilleurs coins d'ici. J'imagine. Bon. Viens. Allez. Merci. Bien. Je pense que je vais avoir ça et ça. Même chose que toi? Oui, ça là. Très bien. Merci. Ouais. Une atmosphère assez sereine, n'est-ce pas? Ouais. Tu dois l'interdire de venir ici. Il aime la nourriture d'ici, donc... Bien, il ne peut pas venir ici. Tu sais, il commence déjà à t'apprécier. Oh, il ne doit pas. Je crois déjà t'avoir dit que sa mère ne veut pas que je m'approche de lui. Mais il... Il est ton mari. Je le sais bien. Et je comprends ce que tu essaies de faire, je le comprends.
Mais rappelle-toi de ce qu'a dit le docteur. Nous ne devons pas le forcer. Ouais, tu as raison. Mais ce que moi je peux te dire, c'est que il va falloir que tu te lèves afin de reprendre ta place. Écoute, c'est peut-être toi la seule pièce qui manque pour essayer de rassembler les autres pièces. Oh. Ouais, il faut y penser. Oh. Il t'aime et tu le sais bien. Merci. Pourquoi tu me remercies? Salut mec. Je suis là depuis déjà 30 minutes, mais je ne l'ai pas encore vu. Il n'y a aucun signe de Lucie. Je ne sais pas, mais il faut que je parte. Très bien. Salut. Salut. Est-ce que tout va bien? Oui, je... Nous sommes-nous déjà vus avant? Oui. Non. Oui, je veux dire... ici. Non, s'il te plaît, j'aimerais savoir, est-ce que nous sommes déjà vus quelque part? Avant maintenant. Oh, désolé, monsieur, je dois aller servir d'autres clients. Désolé. Oui, maman. As-tu essayé de l'appeler? À plusieurs reprises, maman. Mais il ne répond toujours pas. Pas du tout. Hé, cet enfant va me tuer. C'est pas la première fois, maman. Je commence à remarquer quelques changements dans son comportement. Il est tout le temps distrait. Changement? Qu'avais-tu dire? Je crois qu'il commence à se rappeler de choses. Il n'est plus à l'aise quand il est avec moi. Il ne me touche plus. Maman, j'ai peur. Non, 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 ne te décourage pas. Je viendrai là-bas dans 2 jours. Je te
Tu sais, je ne cesse d'avoir des flashbacks sur cette fille, la servante. Mais chaque fois que je me rappelle d'elle, c'est juste... Ma tête me ramène toujours à leur nourriture. Mais attends, qu'est-ce que tu penses exactement? Tu penses que tu l'as connue avant ici ou comment? Je ne sais pas. Ah, juste... je ne peux me rappeler de rien. Bruma, écoute. Voici ce que tu vas faire, d'accord? Tu vas juste t'asseoir et penser profondément, je veux dire réfléchir. Tu peux parvenir à mettre les pièces ensemble et avoir une idée sur qui elle est exactement. Tu vois? Il faut que tu réfléchisses profondément. Il n'y a rien. Allez. Rien du tout. Je dis détends-toi. Réfléchis profondément. Entrez, c'est ouvert. Hey, maman. Bon retour. Tu m'as manqué, mon fils. Brumi, tu es calme. Est-ce que ça va? Oui. C'est juste que je commence à avoir des flashbacks. Ces jours-ci dans ma tête. Tu sais toutes ces choses, maman. Elles me semblent vraiment vraies que je n'arrive pas à les comprendre. Je ne sais pas si tout ça vient d'un rêve dont je ne me rappelle pas. D'où elles viennent de ma vie passée. Mais chaque fois que j'ai ces choses-là, j'ai vraiment mal à la tête. Es-tu déjà allé voir le docteur? Non, pas encore. Je ne pense pas que ce soit aussi sérieux. Mais si ça continue comme ça, je prendrai les médicaments qu'il m'a prescrits. Es-tu sûr de ça? Oui. Comment était ton voyage? Très bien. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Et à propos, je n'ai pas vu ta femme. Où est-elle? Elle est sortie. As-tu déjà mangé? Non, ça va. T'en es sûr? Dans ce cas... Regardons la télé. Je pense qu'il faut que tu te rafraîchisses un peu. Je le ferai, mon fils. Mais j'ai besoin de passer un peu plus de temps avec toi. T'inquiète. Nessa. Au moment où ta mère avait réalisé que tu ne te rappelais plus de rien, elle et Monica, elle m'avait chassé de la maison sans un sou. Rien qu'avec ma valise. J'ai passé plusieurs nuits dans la rue. Parce que je ne voulais pas être un poids pour qui que ce soit. Mais quand la situation était devenue insupportable, j'étais obligée d'appeler Angela. Et je lui ai tout raconté. Elle m'avait ramenée dans sa maison.
et elle s'est occupée de moi durant tous ces temps. C'était horrible. Mon mari ne se rappelait pas de moi. Et ma belle-mère m'a jetée hors de ma propre maison. Parce que je n'avais pas assez d'expérience professionnelle. J'ai pas pu trouver un bon boulot. Je savais qu'il fallait que je trouve un travail. Alors, j'avais trouvé un travail au restaurant pour aider Angela avec quelques factures. Voilà ce qui s'est passé. Mon Dieu. Nessa, désolé. Désolé. Désolé, je ne savais pas que tout ça t'était arrivé. Seigneur. Je ne savais pas que ma mère était aussi méchante. Désespérée et sans cœur. Être méchante jusqu'à ce point. Ah, mon Dieu. Je te promets. Je vais arranger ça, d'accord? Je vais arranger ça. Bébé, il faut que tu reviennes à la maison. Oui, bébé. Il faut que tu viennes à la maison. C'est ta Nessa, maison. Le bébé pleure. Il faut que tu viennes à la maison, bébé. Oh. Oh. Eh oh. C'est bon. Oh mon Dieu. Je te présente Bromé Junior. Oh, regarde-toi. Et... Oh. Oh. Regarde-le. Oh. Oh mon Dieu. Mon enfant. Oh. C'est papa. Regarde maman. Que fais-tu ici? Toi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Maman, si c'était toi, je resterais en dehors de tout ça. D'accord? Et toi, monte là-bas. Prends tes affaires et sors de ma maison. Non, elle n'ira nulle part. Un instant, chérie. Je ne suis pas en train de plaisanter. Monte là-bas. Cherche tes affaires. Et tu sors de ma maison! Viens t'asseoir là, chérie. Je n'arrive pas à croire que c'était toi depuis tout ce temps. Tu as mis tes intérêts égoïstes devant mon rétablissement, maman. Tu ne t'es pas inquiété de si je devais mourir ou vivre. Si j'étais mort, est-ce que cela aurait compté pour toi? Je suis désolé. Je ne veux pas être désolé là. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Et cette fille innocente ici, est-ce que tu as pensé à elle? Est-ce que tu as pensé à ce qu'elle faisait et où elle était? Tout ce qu'elle a fait, maman, c'était de m'aimer, moi, ton fils, et de t'aimer toi aussi. Mais le seul crime qu'elle a commis, c'était de ne pas te donner une seule chose là. Ce que tu voulais désespérément avoir, maman, un petit enfant. Ce qui ne vient pas de notre pouvoir. Même pas de ton pouvoir, maman. Mais du pouvoir de Dieu. Mais tu n'as pas pensé à ce qu'elle faisait. Et où elle était? Comment peux-tu être aussi méchante, maman? Je suis désolée. Je suis désolée. Roland m'a déjà raconté tout ce qu'il s'est passé. Est-ce que tu sais que cette méchante sorcière que tu as menée dans ma maison, qui était paisible, elle m'a drogué et m'a violé. Maman, elle a violé ton fils dans ma maison. Elle m'a continuellement fait du chantage chaque fois qu'elle pouvait. Cela m'a vraiment détruit. J'ai failli perdre ma vie jusqu'à avoir un accident. Cependant, c'est elle que tu veux rester ici à la maison. Tu as voulu rester avec elle ici à la maison et tu as chassé la femme qui a toujours pris soin de ma maman. Comment? Laisse-moi un peu te demander. La chose que tu voulais tellement, est-ce que tu l'as eu? Est-ce que tu l'as eu? Tu l'as eu? Réponds-moi!
Est-ce que tu l'as eu? Tu as mis ma femme en dehors de sa propre maison. Désolé, mon fils. Désolé. Nessa. Nessa, je t'en prie. Désolé, désolé, je vous prie. Je suis désolée. C'est bon, maman. Ça suffit. J'ai quelque chose à dire. 3 semaines après mon départ de cette maison, j'étais tombée malade. Je croyais que c'était la malaria. Et ça faisait un moment que je n'avais pas vu mes règles, mais je ne m'en souciais pas. J'étais devenue confuse. J'avais remarqué quelques changements dans mon corps. Et pour en être sûre, j'étais allée à l'hôpital. Et les docteurs avaient confirmé que j'étais enceinte. C'était comme un rêve. Quand je me réveillais tous les jours, que quelqu'un grandissait en moi, un petit ange, un bébé. Angela, tu peux venir. Après toutes ces années, des souffrances et des questionnements, Dieu a finalement répondu à mes prières. Tu as décidé d'essuyer mes larmes en me donnant ces Angela, précieux cadeaux. Donne-moi ça, s'il te plaît. Mais sans, je peux affronter les monstres et dire que je suis une femme complète. Maman, c'est ce que tu as toujours voulu. Ton petit-fils. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je suis désolée. Vous savez quoi? La course n'est pas censée être très vite. Ou encore les combats n'est pas seulement fait pour les forts. Regardez maintenant. Le temps et la chance ont agi. Oui, j'avais totalement tort. Le temps me l'a prouvé. Merci. Nessa, je tiens à te remercier. Et ce que je n'ai pas pu faire, Dieu a prouvé qu'il peut le faire. Il est vrai que je ne pouvais pas te donner un enfant. Mais regarde ça. Regarde un peu ça. It's got to be that feeling they call love. I've been on my lady, no, I'm in love.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. So sweaty. Why am I weak in the knee? Now I'm walking funny. Every time I'm close to you, baby, I lose my cool. Oh yeah. When you smile in my direction, my heartbeat does like 192 BPM. The thing that I'm feeling, it must be love. The feeling is something special. It cannot be anything but love.